lors de la conférence de presse de l'alliance nationale pour le changement en mercredi dernier jean-pierre fabre a abordé plusieurs sujets monseigneur Kepodzro, 2020 accusation de corruption sacrifice consenti impasse ceux de A.O. le président national du parti a été particulièrement virulent contre monseigneur philippe fanoko kopotzro morceau choisi de ses déclarations sur fond de tacle glissé bonne lecture nous avons proposé Voulu que l'on sorte de la manière dont les choses se passent toujours point, le pouvoir en place dit, je suis le champion. Vous voyez, Usain Bolt, il est champion recordman du 100 mètres. Et il dit, si moi je dois participer à une course, comme je suis champion du monde, je dois bénéficier de certains privilèges. On court le 100 m, mais je veux être placé à 40 m de la fin, c'est-à-dire qu'on fait une impasse sur les 60 m, moi je dois être un peu plus loin. C'est de cette manière que nous discutons au Togo et tout le monde l'accepte, alors qu'on va à une compétition, on doit sur un pied d'égalité. Et lorsque l'on dit cela, vous n'avez pas gain de cause parce que vous êtes abandonné par les autres qui, eux, sont dans cette logique, parce qu'ils se disent, il vaut mieux prendre un peu que de ne rien avoir. C'est ça. Nous courrons un 100M, mais le champion du monde exige, moi je suis champion du monde, je dois être un peu plus loin que vous. Non? Il faut réfléchir à la manière dont les discussions se passent au Togo et ce dont bénéficie le parti au pouvoir, ce n'est pas normal, il faut revenir dessous. Malheureusement, nous avions cru, nous étions dans nos affaires de manifestation quand la SEDAO s'en émet les points, l'idée de la SEDAO, c'est la stabilité contre la démocratie, le verrou contre le djihadisme dans l'Interland et elle a fait preuve d'irresponsabilité en se mêlant de nos affaires. Ne pas le dire, c'est savoir les choses et se taire dessous et ne pas le savoir, c'est refuser de réfléchir. Moi, je n'ai participé à rien du tout, je n'ai pas participé à démobiliser, à démotiver, en insultant. J'ai regardé ça se faire en me disant j'espère que les Togolais ne vont pas suivre cette supercherie. Le traite, Judas, le plus insupportable et qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe 1. Nous avons quitté la C14. Deux membres dont la première responsable ont demandé à nous voir point, quel est l'objet de la démarche? On veut que vous reveniez. Le plus insupportable et qui maltraitait tous les autres et dont on devrait applaudir le départ, on lui demande de revenir. Ça veut dire que nous mentons au Togo. Si nous ne sommes pas cohérents, moi Jean-Pierre Fabre, je suis toujours cohérent, lent, rigueur et cohérence. Le plus insupportable et qui maltraitait les autres, le groupe en. C'est la phrase et vous l'avez laissé faire, nous l'avons laissé faire. Ça a conduit à quoi Point. Écoutez, nous nous sommes abstenus de parler, on ne dit rien, on regarde beaucoup de choses avec beaucoup de peine. Moi, je me suis abstenu de tout, j'ai consenti des sacrifices, je ne me suis approché de rien et je suis devenu corrompu, traître. Finir ma vie comme corrompu, traître. Mais, vous blaguez, nous blaguons beaucoup, point, mais moi je ne suis pas impressionné ou intimidé par la soutane de quelqu'un. Je respecte l'Église catholique, je respecte l'âge de quelqu'un, ça s'arrête là. Mon silence, c'est le respect de l'âge et de l'Église catholique. Je considère que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu connaît qui est son enfant et qui n'est pas son enfant. Le Saint-Esprit, il est en vous, il n'est pas dehors en train de planer. Si vous connaissez la Bible, elle dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, moi, on ne me trompe pas. Vous savez, le mensonge fait des ravages et il a d'autant plus de force qu'il est conduit par quelqu'un qui porte une soutane. Je répète, la supercherie a d'autant plus de force qu'elle est conduite par quelqu'un qui porte une soutane. Mais nous devons savoir qu'à l'époque de Jésus, il s'en prenait plus aux pharisiens et aux publicains qu'aux hommes du peuple, donc méfions-nous. La force de l'an, vous la voyez. Est-ce que vous croyez que nous avons changé le mensonge est intervenu dans le débat politique, il a vicié le débat politique, mais nous, nous n'avons pas changé. Nous sommes restés fidèles à nos convictions. Nous avons regardé, écouté les insultes. Je vais vous faire un aveu. Le 26 juin 2019, Monseigneur Zero a prononcé son homélie à l'église d'Adidogom devant le reste de la C-14. Moi je n'ai même pas suivi. Le vice-président Nabouréma me téléphone. Président il faut réagir. Est-ce que tu as écouté Il nous a insultés. J'ai dit M. Naborema, calme-toi, on va voir ce qu'on va faire, mais il ne faut pas s'énerver. Il l'a déjà fait, il nous a insultés. Pour dire la vérité, je ne connaissais pas l'ampleur des dégâts. Judas, traître, l'insupportable qui maltraitait tous les autres. Il s'en mettait plein les poches. Je ne savais pas, mais je suis resté tranquille. Mais monseigneur potzro a continué. S'il y avait une levée de boucliers. Pour dire, mais, ce qu'il est en train de faire là, ça n'a aucun sens. Point, 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 non, on l'a laissé faire, comme pour l'encourager à continuer. Évidemment, il a continué. Il a dit la dernière fois à Bruxelles qu'il connaît les montants de l'argent perçu par le chef de file de l'opposition, de l'argent que j'ai reçu de Bolloré. Je n'ai jamais rencontré Bolloré, ni un de ses collaborateurs, ni un émissaire envoyé pour me remettre des sous. Mais lui, par l'opération du Saint-Esprit toujours, il sait que j'ai reçu de l'argent et il en connaît le montant. C'est de la folie. Point. L'an a refusé le dictat de Monseigneur Kepotzero qui n'a rien à faire là-bas. Quand Monseigneur Kepotzero a fait ces choses, qui a dit qu'il n'a aucun droit de le faire. Laissons les insultes, mais la désignation d'un candidat unique pour l'opposition qui lui a donné cette légitimité. Nous on a refusé quand il est venu chez moi à la maison. Point. Il faut dire que c'est ma politesse qui me pose des problèmes. J'aurais pu lui refuser de venir chez moi, parce qu'il est venu après m'avoir insulté, sans présenter des excuses. Vous savez, des fois l'éducation, ce n'est pas bon. Mais quand il est venu, on le lui a dit. Point, il a dit, vous allez être d'accord, je vais choisir un candidat et après, on vous donnera quelque chose, pas on va donner quelque chose à l'an, mais à Fabre, on va lui trouver un petit poste. Medeo Bruce lui a demandé, ce que le Congrès de l'an vient de faire en désignant un candidat, votre proposition est supérieure au choix de l'organe suprême Point, bref, personne n'a rien dit quand monseigneur que s'est auto-investi de la mission de désigner un candidat. Il n'avait aucun droit. Ce que je lui ai refusé, c'est pourquoi il me poursuit de sa haine. C'est de la haine, parce que Bolloré, je ne connais pas, mais lui, il sait. Même le Saint-Esprit ne sait pas, mais lui, il sait point. C'est un mensonge. Point, Monseigneur que l'aventure dans laquelle il nous vous a conduit, c'est très grave. Mais pourquoi il me poursuit comme ça de sa haine Je lui ai envoyé un message pour lui dire la candidature de Jean-Pierre Fabre dépend de Jean-Pierre Fabre et de l'an. Point. Point. Il a dit à la personne d'envoyer un message à Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre n'est intéressé que par l'argent, l'argent qu'on donne pour la campagne, 70 millions points, ensuite le plus grave pour lui, mais pour moi, c'est le plus grand compliment qu'il ait pu me faire, Jean-Pierre Fabre n'est pas le candidat de la France. Alléluia. Point, mon grand-père Franklin Amouzou dit Piam Piam, vice-président du Q, Comité de l'unité togolaise, NDLR. C'est-à-dire compagnon de l'indépendance, que va-t-il penser de sa tombe quand il va apprendre que son petit-fils est le candidat de la France Soixante ans après les indépendances, monseigneur que cherche à imposer au Togolais le candidat de la France. Vous voyez jusqu'où on nous a conduits Je suis disqualifié parce que je ne suis pas le candidat de la France. Comment il le sait Un prêtre se retrouve au Vatican Croise par hasard un ancien gendarme français qui officiait à l'ambassade de France au Togo, et dans la conversation, le gendarme lui dit, nous, c'est tout sauf Jean-Pierre Fabre. Alors le prêtre court informer monseigneur que Donc Fabre n'est pas le candidat de la France. Il faut un candidat de la France. Point, qu'est-ce que j'aurais été d'être le candidat de la France en Moi, je ne suis qu'une seule chose, je suis le candidat du Togo. Je ne cherche pas à être le candidat d'un autre pays, de la communauté internationale, des militaires. Nous avons regardé les nouveaux politiciens nous entraîner dans l'impasse, ces nouveaux politiciens qui ont adopté la stratégie du mensonge et passent leur temps à communiquer, comme si la communication signifiait mentir. On peut communiquer en étant véridique. Les Togolais n'ont pas réagi. Nous on est là, on continue de travailler. Mais avant de nous dire de tourner la page, allez dire aux autres, cessez vos bouffonneries. Jean-Pierre Fabre finira pendu comme son homonyme Judas. Je l'ai dit et je le répète pour ceux qui ne m'avaient pas compris il y a peut-être deux mois. Il faut être sage, ne pas se mêler des choses parce qu'on ne voit pas si on est instrumentalisé, manipulé ou non. Parce que je ne vois pas monseigneur que pods ressortir Jack devio Méniakuo le nage a dit que les enfants blagues, traduit littéralement. Ça n'est pas sorti de sa tête, ça lui a été soufflé. Dire des choses comme ça. Point. Je me suis remis au travail avec le parti, nous ne savons faire que ça. Pendant qu'on nous insultait, on mentait, nous, on travaillait point. J'ai bien dit, si on vous vole, c'est vous qui êtes responsable. Parce que c'est votre vote, ce n'est pas celui de Jean-Pierre Fabre qu'on a volé, c'est à vous de vous battre. Pendant ce temps, on vous dit, dormez tranquillement chez vous. À midi, vous avez les résultats. Et maintenant, vous voulez imputer la responsabilité de l'impasse à qui? Nous n'avons pas contribué pour un millimètre à cette impasse.